Luigi is back! Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la dernière partie, donc la partie 3 de la découverte de Luigi's Mansion 3. Et donc la dernière fois, on a beaucoup parlé au professeur Catastrophe. Hop! Et on a déverrouillé voilà ceci. Alors boutique. Ça me fait marrer comment il se dandine Luigi là. C'est... hop hop hop. Le troisième étage. Alors, X. D'accord. Pas grand chose là-dessus. Ah. Hop. Ah bah il a faut utiliser le J, le J. S'utilise comme ça. Ah faut pas oublier qu'on a ce truc là. Le J, le J. Comment on fait pour le rappeler, Bond? Bah voilà, on appuie deux fois. Les toilettes. Attends, masse. Voilà. Ah, ça c'est du tout cuit. Ah, il faut rebalancer le truc. Et je comprends pas trop de le délire. Ouais. Aspirer peut-être. Bizarre. Ah mais non, je voulais toucher le truc en haut à droite là, en haut à gauche. Bon, bon tant pis. Bon, hé. Hop. Ah, désolé de vous déranger, monsieur le fantôme. Ah bah, il y a une clé, carrément. Parfait. C'était un leurre. Bon. Moi j'ai trouvé la clé. Ah, ça doit être ici. MDR. Vigile.
Il a laissé sa clé. C'est marrant les mises en scène là, comme ça. Hop. Alors, je trouve que ce lieu fait très... ça fait très Bioshock. Hein. Donc, voilà les escalators. Là. Luigi, as-tu vu cela? Ce vigile avait le bouton d'ascenseur en sa possession. Je l'ai vu grâce à la vidéo. On dirait bien qu'il est parti dans le bureau de la sécurité. Rends-toi là-bas sans tarder. Ah. Ah, il a la... Il a l'interrupteur. Hop. Voilà quoi. Ouais, on fait un boucan pas possible, mais... Mais c'est pas grave. Pas la bonne clé. Alors, que faut-il faire? Ah, il mange bien le flic. Bah, là, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, Luigi, il a vu que... À gauche, le symbole... Ah, bah évidemment, je suis bête, faut utiliser G-Luigi. Oui, mais il donne la solution, lui. Et n'oublie pas qu'il est assez malléable pour passer dans les endroits exigus. N'hésite pas à faire appel à lui. Je te donne la solution. Loul. Eh ben c'est pas drôle. Ah bah forcément. Ah mince. Oh. Ah il a aussi sa barre de vie. Attention. Ah, ça c'est bien, on peut en choper deux d'un coup. Hop. Bah, comme dans les anciens Luigi, quoi. Luigi Mansion. Tout simplement. Mince. Non, ça fait rien. C'est nickel. Attends. Oh. Oh voilà. Oh oh. Ah mais là aussi. Ah non mais on s'en fiche que t'aies les clés mais... Hop. Ça m'a l'air intéressant ici là, qu'est-ce que... Ok, il y a plein de trucs souvenirs à l'effigie de Boo. Oh, finalement, fallait vraiment faire ça. Ah non.
faut voir le fantôme qui est en bas, quoi. Bon, faut que je récupère encore. Hop. Pourtant, c'est une étoile. C'est illogique. Ah bah oui. Luigi, cette clé n'a pas l'air de convenir. Garde-la quand même. Elle pourra toujours servir. Oh. Let's go. On va peut-être aller là-bas, là. Mais au milieu, mais je sais pas, là. Faut éclairer ce truc-là. J'y arrive pas. Tenir en bas. Ah mais oui, en bas peut-être qu'il y a un truc à cœur. Ah bah oui, voilà, à droite. Ouais, bien sûr. C'était ça la solution. Évidemment. Hop, dans le distributeur. Enfin, le distributeur. L'encaisseur, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Ces machines. Ah, purée. Faut tirer ce truc. C'est marrant quand il bouge. Ça fait comme un ballon de baudruche, quoi, un peu. Là, c'est marrant. Je voulais pas aller vraiment faire ça. Ok, là-bas il y a un truc à éclairer. Ah bah c'est ça. Oh là là, la richesse. Oula, ils sont nombreux. Oula, fichtre. Ah, bon, on les aspire d'un coup. Ça va. Oh, t'as l'air compliqué. Ah, purée, on est obligé d'aspirer pour avoir les pièces. On peut pas passer dessus. Un peu long. Il doit y avoir un truc là, un secret. Non. Tapis là, non. Non. Hop. Et alors ça c'était en haut. En haut à droite. Hop. Ah. De nouveaux ennemis. Qu'est-ce que... What the... Oh. Hop. Ah. Ah purée. Il est fourbe. Nickel. Quel talent. Optique 2000. Ah d'accord, donc comment faire? Peut-être faire ça là. Vas-y là. Crains ma lumière. Bah oui, forcément. Ah ça. Bah, on l'assomme et hop. Ah bah oui, il faut aspirer d'abord les lunettes. Logique. Hop. Ah.
Oula, attention. Ils sont pas, ils sont quand même pas très durs les fantômes là. J'ai peut-être trop de skills. Alors là, faut aller en bas à gauche. Ah. J'ai peur. Ah quoi? On peut plus passer là. Ah, ça doit être le fantôme flic. Ah, voilà, c'est pour revenir en arrière. Ça sert un peu à rien. Faut revenir voir le fantôme flic. Ah, le vigile. Ça, c'est marrant, ça. Hop, voilà. Je gâche le travail. C'est lui ou quoi? Ah bah non. C'est pas lui. Ah, c'est un autre fantôme. De toute façon, là, ça va pas marcher. Ah oui, ça marche. Ah si, bah peut-être que c'est un truc tout bête en fait. Ah mais en fait pour là-haut, enfin non, j'allais dire faut prendre Geluji mais non. Oui, là ça passe pas. N'oublie pas que tu peux ajuster la trajectoire. C'est ça là? Non. Juste au-dessus ou en dessous de toi? Ah ouais, d'accord, faut tourner ce truc là. Ah, il dit vraiment tout quand même. Hein. Ah, il faut le mettre droit le machin. Ah oui. Ah, plus de fiches. Comme ça. Oh, on est bon là. Les gars quand même. C'est au pixel près. Voilà, là c'est parfait. Le mettre à l'envers, hein, je sais pas où. Allons, garçon. Qu'avons-nous vu lors de ton dernier entraînement? Appuie sur R pour, tout en inspirant. Ça se dit quelque chose? Ah, d'accord. Faut tout le temps inspirer, en fait. Faut pas mettre droit le machin. Ok. Aïe. Forcément. Alors, c'est où qu'faut aller là? C'est quoi là? Il y avait X. Une interaction. Ah ouais. Ouais, faut faire quoi là? Ah, je peux plus sortir! Ah, c'est bon. Et que faut-il faire? Ah, ok. J'ai vu. Ah bah non, en fait c'est là. J'ai cru qu'il y avait un truc translucide là.
En fait, c'est tout bête. Purée, mais... pénible, ce truc. Hop. Allez, encaisse le chèque. Hop. Une clé. Forcément. Mamma mia. Ah bah. Pas monté. Une espèce de tombe Donkey Kong là, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Hop. Oh, allez, vas-y! Vas-y, Donkey Kong là! Ah, mais de Zeus, il veut pas! Ah, c'est qu'il faut faire... Ah non. Ah bah si, c'est ça. Faut attraper sa queue, en fait. Ah, c'est un peu bizarre. Voilà. Hop. Hop. Nickel. Ah, c'est que lui, faut attraper sa queue. Différent des autres. Eh bien, on peut dire qu'il était du genre à ne pas se laisser faire. Je suis même étonné que tu aies réussi à l'attraper. Il sera très utile dans mes recherches. Continue comme ça, mon garçon. Oh oh oh. Yo yo yo. Attends. Comment il faisait déjà? Yo yo yo. Ah, quelle doubleur exceptionnelle. Évidemment. Ah. Notre pote le vigile, la sentinelle, le je sais pas quoi. On va le choper. Tu es en état d'arrestation. D'accord. Hop. Oh purée! Ce gros tas! Ah fichtre! Ah mais du coup, Jeluji il peut jamais mourir? Je comprends pas trop. Ah mais j'arrive pas à choper ses lunettes! Ah c'est qu'il faut esquiver en même temps l'eau. Ok. Pas mal, pas mal. Ah, faut esquiver les attaques pistolet à eau. Peut-être de l'autre côté, là, non? Ah non, il est encore là. Hop. Ça, c'est énorme. C'est énorme les mouvements du fantôme. Hop. 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 Attention. Hop.
Oh là là, ce pire Ménès. Voilà. Ah, nickel. Non, pour ouvrir ça. Hop. Hop, ça cache un diamant, ça, non? Ah, un lingot. Pas un lingot d'or, ça, là-haut? Ah. On chope le truc. Mince. Je vais pas faire ça. Comment on chope ce truc? Attendez. Par la puissance orboréale de je sais pas quoi. Ça marche pas. Bon, je sais pas. Hein. L'éclairie. Ok, bah je sais pas comment on chope ce truc. C'est assez étonnant. Ou alors, faire la ventouse là-dessus. C'est chaud de vider. Chiant la technique. Précision, précision, précision et habilité. Ça marche pas. Alors là. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi, les gars? Pourquoi il tombe pas? C'est pas normal. Les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance en 240p. Très bien pour surveiller. Attends, il y a un truc qui bouge là, Gérard. Ah non, ce sont que des pixels. Il y en a tellement peu que ça bouge. On se croit super sur PS1. Avec les textures qui bougent. Hop. Ouais, c'est pas là. On m'en est qu'à là. Oulolo. Du deuxième niveau. Maintenant, à ta place, j'irai tout de suite. Ok, let's go. Mezzanine. Nous regardons un peu de Netflix. Ah, il y a toujours pas les Simpsons sur Netflix. Bon, bah, regardons ça. C'est fait par le même créateur que les Simpsons. Désenchanté. Ah, bah, c'est fini. Alors du coup c'est le deuxième étage. Ouais. T'as la bien. Hop. Ah bah c'est l'endroit qui montrait dans le tout premier trailer ça. Qui date d'au moins d'un an. C'est ça. Et on voit des armures là, non? Normalement. Des armures qui bougent. Ah, ça c'est les pas du chien. Oh purée. Le fichtre. Tout ce qu'on gagne. Décidément, ils aiment bien faire ça. Bon, pas grand chose.
Ah. Je sais pas ce qui bloque là. On peut pas trop le voir. Ce qui bloque vraiment. Est-ce que Geluji peut passer là-dedans? Non. Ça serait trop beau. Attendez, faut que je chope ça là. Ah purée de fichtre. On se part. Pour l'instant l'argent ça a pas servi à grand chose. Hein. Hop. Et comment ça vole ce truc? Ah oui, fantôme forcément. Purée, cet effet d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. 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 Perfect. Cet effet d'eau. Ouais. Allons voir le chien à quoique. Il y a ça aussi là. Faut que j'enlève ça là. Hop. Ça c'est un raccourci là parce qu'on est déjà passé à gauche. Hein. Je m'en souviens. Ça sont bien marqués sur la carte. Et bonne baguette. Manque plus que le béret et là on est un pur français. Et ça c'est beau. En plus avec ce petit harmonica là qu'on entend en fond là. Enfin plutôt cet accordéon. Hop. Courage, Luigi. Mêle-toi à eux. Ne sois pas timide, Luigi. Oh, le fichtre. Oh purée, la gueule de ce sandwich. Oh, il était super mal fait. Oh purée, là, ils sont nombreux. Hop. Oh là, on fait un véritable carnage là. Putain, j'ai l'impression de jouer à God of War. Vas-y. Hop. Hop. Un véritable carnage. Ah, et c'est le dernier. Hop. Ouais, c'est quand même beaucoup plus facile que... Luigi's Mansion 1, hein, quand même. Enfin, j'ai l'impression. Quoique, après, c'est peut-être moi qui... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait Luigi's Mansion 1, donc... En même temps, quand je l'avais fait à l'époque, j'étais même pas majeur. Voilà, ça tâte. Oh, oh. Une catastrophe. Ouais, il peut pas avancer. Ça, ça fait rien. Bon, bah, peut-être le Geluji. Il est peut-être immunisé contre ça. Ah, bah non, il veut pas non plus. Je sais pas.
part souffler, je sais pas quoi faire là. On pète tout, Ça va peut-être l'énerver. Ah, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout. Luigi, tu n'y arriveras jamais tout seul. Il te faut plus de puissance. Ce genre de situation appelle à l'union des forces. Ah oui, d'accord. Vers ça. Plus ça. Ah, est pas mal. Oula. Al Pacino. Ah, attendez. Ça sert à quoi d'allumer ça? Ah ok, c'est pour le cramer les fesses. Ah, fichtre. Faut le choper là. Allez, passe par là. Ah, attendez, je vais prendre le cœur. Ah, bah, je l'ai pas eu. Ah, hop. Alors. Allez, faut choper la queue, non, je sais pas. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec celui-là? Bah, faut qu'il vienne et que je le crame avec ça. Allez, viens. Non, c'est... Ah, il passe sur le côté, hein, purée. Hop. Ah, c'est ça. C'est tout simple en fait. Aïe. Le fichtre. C'est le boss le plus compliqué du jeu. Enfin pour l'instant. Hop. 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 Ouais, plus qu'une fois et c'est bon. Ouais, il nous lâche un peu trop de cœur quand même. T'as chopé le poisson. Oh. Ah purée, mais il va trop vite. Ah là 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 là. Le fichtre. Ah, y'a rien là. On prend peut-être le gigot là. Ah. Ah purée. Il en balance tout le temps. Ah, toujours pas. Ah, il est costaud lui. Je pense qu'il faut l'avoir trois fois. Ah purée. En même temps c'est galère de viser. Bon, on rebalance un poisson là parce que... Poisson. Poisson pané. Allez hop. Oh. Ah purée, mais j'ai visé pourtant. Ah purée. Ah enfin. Hop.
Ah là, il commence à avoir du challenge. Il commence à avoir du challenge. Et ça, c'est beau. Comme ce qui vient de se passer, c'est maléfique. Un petit feu d'artifice de l'Extoblast 3000. Loul. C'est énorme. Bon. Faut peut-être ouvrir les chambres froides là aussi déjà, il y a peut-être des secrets derrière. On peut ouvrir ça. Hop. Ah oui. Hop. Bon, la danse sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh purée. Poisson lanterne. C'est qu'il y a un truc là-dedans. Faut peut-être le Super Geology. Ah bah c'est ça. Bon. Pas un gros secret. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il fout le chien? Ouais, je sais. Je sais pas ce qu'il fout. C'est un peu un foufou, le chien. Le chien chien sur l'ouji. Ah bah là, c'est l'ascenseur. Hein. Ah bah non. Ah bah la souris, elle s'est barrée par là. Peut-être là. Je suis sûr que si je regarde par le trou, la souris est là. Ah non. Où est donc passée la souris? C'est une énigme. Oh, pas là. Ah, quoi que je suis bête. Il y a là, là. Ça. Hop, j'ai pas encore enlevé ce truc là. Ah, mais en fait. C'est Jiluji là-dedans ou quoi? Comment ça se passe? Ah bah oui! Ça sert à ça en fait. Putain que j'avais pas su tout à l'heure. Ça sert à ça. Bon, se passe rien. Rien d'intéressant ici. Le délire de passer par là du coup. Ah, y a un truc qui gêne là. Je sais pas quoi. Ah, je sais pas. Étrange. Ah. Je peux avoir des pièces. À chaque fois, je me plante de boutons. Hop, les lingots d'or, allez hop, on est riche. À la salle sur la droite après là. Ici. Ça me dit rien là. Oh, un billard. Hop. Pourquoi il fait ça? Ah! C'est énorme le cochon! Mince. Dans le fion! Ça marche pas. Peut-être ça là-dessus. J'ai persuadé pourtant.
Peut-être faire tomber les boules là-dedans. Et les récupérer, je sais pas. Ah oui, bah c'est ça. Parce qu'il y a des trucs qui s'illuminent en dessous, là. Alors, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut tout mettre dedans. Oh, attends, je vais aspirer là-bas. Hop, 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 hop. Ouais, bouf. Ah, marron. Ouais, mais c'est tout, quoi. C'est une salle bonus, là. Pas grand-chose, ici. Où est le petit rat? Ah, mais du coup, là, on est dans l'autre zone. Cette zone-là, on l'a vérifiée de fond en comble. En vrai, il n'y a plus grand-chose ici. Ça, on peut aspirer, je crois. Hop. Ouais, il n'y a plus rien à faire, là. Je suis un peu bloqué. Qu'est-ce qu'elle a foutu, cette souris? Ah, il y a un truc, là. Ah, faut peut-être faire allumer... Faut peut-être tout allumer, ici. Hop. Hop. Et donc, Geluji, viens à moi. Hop. Ah, ok. Ah, quand même, il y a des secrets, des fois. Faut y revenir plus d'une fois. Hein. Alors, où peut être ce... cette souris? Attends, on voit qu'il y a une bouche verte, enfin une bouche d'égout là, enfin je sais pas quoi, plutôt un... comment on appelle ça? Enfin juste un tunnel. En haut? What? Il s'est fait toucher par quoi là? Ah ok, faut aller là. Je l'ai vu. Ah oui, il faut d'abord aspirer du coup. Marron. Ah, y a quand même des secrets un peu partout. Hein. Ah bah elle est là la souris. Ah, bah, je pense qu'il faut l'attirer avec du fromage. Hop. Ah bah voilà. Bah c'est tout en fait. Le truc tout con. Attends, moi je suis revenu et tout là. Bon bah j'ai chopé au moins quelques petits secrets. Ah bah faut rechoper la souris. Bon. Le fromage vient à moi, attention. J'ai mon arme. Mon appât, mais non en fait je crois que... ça sert pas à grand chose, il faut sortir. Ah bah d'accord, la salle du billard. Et du coup. Hop. Ah bah parfait. Ah, j'avoue que je parle pas trop là, mais il commence à se faire tard. Ah.
Ouais, pourquoi il m'a pas attaqué avant? C'est ça qui est complètement bête. Je savais qu'il y avait des fantômes avant, mais... Il faisait rien. Hop. Allez, hop. Bonjour les scripts, hein. Ah, et du coup, c'est comme ça, faut en choper un là-dedans. Allez, hop. Bon. Alors. Hop. Voilà. Faut tout aspirer, allez. Boum. Ah, pauvre Luigi. Oh là là. T'as l'argent qu'on se fait. C'est vraiment dommage si c'est que du scoring, le fric. Parti sur la droite. Ah. Ah, mais du coup, maintenant je peux rentrer là. Ah, c'est bizarre. Alors je pouvais pas ressortir. Ouais, c'est. Ah, ou alors c'est. C'est peut-être le Geluigi qui peut pas ouvrir des portes. Ah, bah c'est ça en fait. C'est Geluigi qui peut pas ouvrir des portes. C'est marrant. Oh. Ah oui, plein de bactéries dans les toilettes, hein. Hop. Surtout si c'est une souris qui a pris l'interrupteur. Le pire, ça aurait été un rat. Tic tic tac. Nickel. Excellent. Reviens au labo, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. À tout de suite. Alors revenons au labo. Et après le labo, bah, je pense qu'on va s'arrêter. Hop. Et je continuerai de mon côté Luigi's Mansion 3. Je pense que je le dévorerai très clairement parce qu'il est vachement sympa à parcourir. Hop. Je sais plus si... Non, c'était à gauche. Et du coup, bah, vous aurez dans quelques temps un vidéo test sur ce Luigi's Mansion. Ça se trouve, il arrivera avant le vidéo test de Zelda. Parce que Zelda, c'est compliqué. J'ai tellement de choses à dire dessus que... Faut que je me prépare un petit peu. Faut que j'ai le temps. Luigi's Mansion, je pense que c'est plus simple. Eh bien, c'est pas trop tôt. Faire attention, un vieil homme de la sorte est inqualifiable. Faire attendre, plutôt. Parce qu'un inqualifiable de faire attention à un vieil homme, c'est un peu bizarre. Figure-toi que pendant que tu courais chasser les spectres, j'ai aussi travaillé de mon côté. Mon labo est presque entièrement opérationnel. Tu as bien avancé dans ton exploration de l'hôtel, mon garçon. Permets-moi de t'en féliciter. Tes poches doivent être pleines. À craquer du butin que tu as pu ramasser. Ne t'inquiète pas, j'ai la solution idéale à ton problème. Cet argent qui te pèse, tu n'as qu'à me le donner. Et attention, pas comme ça, sans rien en échange. J'ai l'honneur de te présenter. Bordel, faut qu'il marche ce truc. La boutique virtuelle du professeur Catastrophe. L'inauguration a lieu aujourd'hui dans mon
labo. J'avais quelque chose qui te sera très utile. Je te demande juste une petite contribution en échange. Voilà. Un peu d'euros, hein, évidemment. Ce sont des DLC. Pour fêter l'inauguration, je te donne un os doré. Attention, c'est juste pour cette fois. Pour récupérer ton os doré, il faut le sélectionner. Acheter. Vous avez un os doré. Alors, l'ectochien arrive à la rescousse si votre énergie s'épuise contre cet os, il vous ramène à la vie. Ah oui, d'accord, c'est cheaté. Si les fantômes te mettent la vie dure et que tu es à court d'énergie, prends un os doré pour te requinquer. À ta place, je prendrai soin d'en avoir plusieurs sur moi. Mais si tu en veux davantage, il faudra payer. N'hésite pas à regarder mon rayonnage dans le détail. J'ai d'autres articles qui devraient t'intéresser. Oh, mais à force de parler, j'avais oublié. J'ai autre chose à te dire. Est-ce que tu peux te retourner pour moi? J'ai quelques modifications à effectuer sur ton Dextroblast GLU. Et voilà! Je viens d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à l'Extoblast GLU. Selon mes recherches, plusieurs bouts seraient cachés dans cet hôtel. Je t'ai donc ajouté de quoi les repérer. Je t'en reparlerai plus tard. Voilà, c'est tout de mon côté. Tu peux reprendre tes activités paranormales. Alors, voyons, boutique virtuelle. Et détecteur de boue. Détecteur de boue. Cette cartouche projette sur votre carte d'emplacement d'un bout. Il y a une cartouche par bout. Produit commandé. J'en ai commandé. Et pourquoi? Cette cartouche projette sur votre carte l'emplacement d'une gemme. Il y a une cartouche par gemme. Ah, d'accord, c'est des trucs pour savoir les emplacements des gemmes. Mais à quoi servent les gemmes? En réserve 26. Genre j'achète. L'emplacement d'une gemme figure sur votre carte. Ah, ok. Bon, de faire attention parce que ça coûte énormément de podium. Ok. Donc ça veut dire que si je vais sur la carte... Ah bah voilà, je vois la gemme ici, là. Tiens, on va essayer de choper la gemme, là. Parce qu'avec toutes les capacités que j'ai eues... Je pense que maintenant, je peux choper cette gemme, là. Avant, c'était pas possible. Ah, il semblerait que tu aies déjà croisé la route d'un bout. Ces vibrations indiquent qu'un bout est à proximité. Laisse-moi t'expliquer. Ah, mais diantre, où sont mes fiches? Alors, le corps de Geluji est constitué d'une substance que j'ai appelée gluant. Le gluant réagit aux fréquences émises par les bouts. Si un bout se cache aux alentours, le gluant vibrera. L'intensité des vibrations augmente si tu te rapproches du bout. Quand tu es tout près, tu ne risques pas de le rater. As-tu bien compris, mon petit Luigi? De fortes vibrations indiquent qu'un bout est proche. Allez, au travail! De mon côté, je dois m'organiser pour les ranger au mieux. Et surtout, fais attention, Luigi. Ne laisse pas trop le Virtual Boy sur tes yeux. Tu risques d'avoir des dosés. Hop! Alors, c'était par là. Ah bah voilà. Là, faut utiliser Luigi Gluant qui va tomber là-dedans. C'est pas le fait. Je vais me choper l'araignée. Hop. Nickel. Ouais. Par contre, celui-là, j'aurais pu l'avoir sans... Enfin, sans avoir acheté le truc. Mais bon, moi, j'ai vu à quoi ça servait, quoi. C'est pas mal. Peut-être bien quand on est vraiment paumé. Okay. Bah, en plus, ça dit les gemmes sur... comment dire? Il doit y avoir... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfin, 6 gemmes par étage, du coup. Si je comprends bien. On verra bien. Je verrai bien de mon côté. Mais là, celle-là, par exemple, on fait comment pour l'avoir? Ça, je pense qu'il faut faire ça.
Ah bah voilà. C'est pas mal ça, c'est la musique qui est jouée à l'orgue. Ça veut dire qu'il y a un bout dans les parages, c'est ça? Sur les vibrations. Ah, c'est de plus en plus fort par là. Je me fie aux vibrations de la manette. Hein. Non, c'est toujours pas là en fait. Alors on s'éloigne, j'ai l'impression. Attends, le diamant là-haut. Comment on chope celui-là? En tirant le truc? Non? C'est pas ça? Et si c'est même pas ça? Ouais. Ah bah. Ça. Ouais, j'y aurais cru. C'est pourtant ça fait un séisme un petit peu. Enfin un petit. Petite secousse. Non, en fait, la vibration reste. Elle fait toujours la même, quoi. J'ai toujours la même vibration, là. Hop. Je pense que c'est plus en bas que ça vibre fort. Ah bah. Chez moi, bou, bougie, woupi. Lèche-moi ton chien, t'y connais rien. Boogie boogie. Ah, toujours les vieux jeux de mots. Oh purée les chauves-souris. Ah mais le fichtre. Mais il est bloqué. Ah d'accord. Ah, c'est pas mal ça les ennemis comme ça. T'es obligé d'avoir le Geluji pour les avoir. Marrant ça. Et là, faut le Geluji pour qu'il passe en dessous. Non. Alors, où est le Bou? Bah, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était là-bas. Et bon, je pense qu'il a changé de place depuis. Hop! Ah, cette statue, ah, cette gargouille ne m'inspire guère confiance. Non? Non. Ah, mais cette... T'es obligé de fouiller un truc, c'est moi, laisse-moi, tu connais rien. Ah, ok. J'ai compris le délire. Ah, mais du coup, il y a les chauves-souris, purée. C'est hyper chiant. T'es obligé de te faire toucher, chauve-souris. Ah, du coup, j'ai compris le délire. Voilà, bon, ça vibre presque pas. Et là, maintenant. Ah, toujours pas. Ah, là, ça vibre plus. Et bon, c'est pas encore... Je pense que c'est pas encore ça. Ah là, ça vibre à max, là. Ah, ça vibre un peu moins.
Ah bah là. Allez. C'était bien là. Pfff. Ah, tête de Luigi. Mais il est où? Ah. Ah, le fichtre. On le chope comment? Ça marche pas. Il est bloqué là-dedans, quoi. Ah. Mais ça marche pas. Et what? T'es obligé de faire ça? Ah boy. En plus, il a de la vie, lui. Oh là là. Il est en forme, Luigi. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il s'est caché encore là? Ce petit fourbe. Hop, 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 hop. Et ils sont coriaces les bouts. Hein. Ah là, par contre, je me souvenais que c'était plus simple quand même hein, sur GameCube, hein, les bouts. Bon bah voilà. Alors, il donne un peu trop de cœur. Hein. Je pense que le jeu, s'il avait autant de cœur que Luigi's Mansion 1, c'est-à-dire pas tout le temps quoi, que dans quelques armoires, là, ça serait plus compliqué. Bon bah voilà, on s'est fait les bouts. Bon bah je suppose que pour sauvegarder, il faut passer une porte. C'est un peu bizarre mais... Voilà, là, ça fait sauvegarde. Bon. Du coup, sur ce, bah, je vais continuer de mon côté. J'ai pu vous montrer pas mal de choses. Hein. Avec ces trois parties, vous pouvez vous donner une idée hein, de ce que c'est comme jeu. Si ça vous intéresse, hein, évidemment. Et du coup, sur ce, moi, je vous dis... Je vous donne rendez-vous pour... Le futur vidéo test de Luigi's Mansion 3. Alors voyure pour de nouvelles aventures.